les amis, comment allez-vous? J'ai galéré à remettre la visière. Bon les amis, salut, c'est Wallan. On se retrouve pour une vidéo un peu sectonnelle puisque vous ne reconnaissez pas Toulouse. Et oui, c'est normal parce que nous sommes en road trip. Ce qu'on va faire, enfin ce qu'on a fait, c'est que je suis parti de Toulouse il y a 2 heures. J'arrive à Oloron. Je suis en sud-ouest. Mais on va s'attaquer à un road trip incroyable, on va aller dans les Pyrénées en Espagne. Je connais même pas tout, en fait, tout le planning, puisque je me laisse guider par un abonné qui m'a contacté. Ça fait longtemps, ça fait depuis 2017 je crois, qu'on essaie de se prévoir un truc. Et là maintenant, comme je suis pas loin de l'Espagne, bah, on va faire un truc de ouf. Juste avant les gars de commencer dans le vif du sujet, il y a eu un malaise déjà. Je n'ai pas filmé parce que voilà. Si tu veux, j'étais là depuis 10 minutes derrière un camion, ça me saoulait et tout. J'étais là, tu vois, j'étais à la limite entre la route et le terre-plein central. Et il y avait des petites bites, tu sais, le long du truc là. Et à un moment donné, en fait, j'étais un peu beaucoup trop près de ces bites là. Et je les ai toutes mangées, toutes croquées. Voilà, exactement. Exactement ce genre de bites là. Je m'en suis mangé 3 à la suite. Sur le côté, j'ai eu un réflexe pour bouger la moto, mais ça fait clac, 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 clac. Et nous voici arrivés à Oloron Sainte-Marie. Putain, la vache, c'est bon, hein. C'est génial maintenant pour moi, mais pour la chaîne aussi, hein, mine de rien, c'est que bah, tout est à côté quoi. Les vacances à moto sont à côté. Et tu pars pas de Lille, faire 10 heures de route pour enfin arriver dans les montagnes, là, voilà, c'est un plaisir de ouf. Faut que j'arrête de dénigrer Lille aussi, parce que ça va pas. Alors attends, où est-ce que je vais? Malaise de ouf. Tu vois, je fais le malin, alors c'est ma faute. C'est pour ça, en fait, je me suis excusé, tu vois, c'est en... Voilà. Je savais en fait que j'étais en centre interdit, je m'excusais juste. Alors, Lidl de mort. Oh là là, putain. Allez, bordel. Lidl, j'en ai aucune foutue idée où est-ce que ça peut être. Oh, chier. C'est pas Lidl, c'est Lindt. C'est les putains de chocolat de mort. Tout le savoir-faire des... Putain de chocolat de mort. Je croyais que c'était Lidl, putain. Quel tocard. Putain, j'en ai chié. Hein? On avait bonne route? Putain, ouais, mais j'ai cru que c'était Lidl en fait. Ah bah non, Lindt. Tout le temps, j'ai cru que c'était Lidl. Allez, au revoir les chocolats. Bonjour les virages. Bon, le bruit. Trop chelou ce genre de bruit. Mais regarde-moi ces forteresses quoi. Il y avait des putains de je sais pas de seigneurs. Je kifferais faire de l'urbex là-dedans, tu vois, aller voir ce qu'il y a dans les trucs SOS et tout. Tu vois là, genre, waouh, je kifferais aller voir le système et tout qu'il y a dans le tunnel d'extraction de personnes. Bref, soleil. What? On est en Espagne. Playa de Cadenas. On reconnaît l'art un peu Picasso, je crois que c'est Picasso, ouais, c'est Picasso. Bon, hop, 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 hop. Bon du coup les gars, j'ai changé la batterie, il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. Putain, les routes de dingue les gars. Il y a la moto parfaite vraiment pour ça quoi. Enfin, il y en a plein d'autres des motos, d'accord, mais enfin, je suis vraiment content, j'ai trouvé ma bonne moto que j'aime pour ce genre de truc. Oh là là, mais regardez-moi ça quoi. Excellent, excellent. Par contre, quand il n'y a pas les glissières de sécurité, moi je me sens pas bien. Allez, on le vit ensemble les gars, comme si vous y étiez. Putain, ce virage là tu le loupes hein. Sinon c'est droit dans la roche. Wouhou. Wow. Ah ouais. Hyper vénère. Et claque. Et claque. Wouah, j'aime le virage de ouf. Je vais me calmer un peu. On va attendre Florian quand même. Parce que c'est peut-être un sport individuel la moto, mais il faut pas abuser non plus quoi. Il y a des aigles et tout quoi. Hein? Je vois un aigle là qui. Là, il y a plein de vautours ici. Incroyable. Ça c'est les maillots, tu peux faire de l'escalade, de la randonnée.
l'escalade là, putain la vache. Vénère. Les gars, on arrive bientôt à Saradox. Je sais pas quoi. Et là on passe par le désert. Est-ce que vous saviez qu'en Europe il y avait un fucking désert quoi? Regarde, il n'y a rien qui pousse. Il fait 50 degrés là-dedans l'été. Et là il fait 24, on est en octobre, tu vois. Enfin, le désert. Bon là c'est la fin du désert, mais c'est ouf quand même. Tapas les gars, classique Espagne. Putain, ils parlent fort de ouf, mec. Ils racontent leur vie, ils parlent super fort. C'est un truc de ouf, il y a du bruit de partout dans cette ville. Hey, bonjour, il est 10h30. J'ai mis un peu de temps à me lever puisque j'étais un peu défoncé. On a bien bu hier, franchement, on s'est fait bien plaisir. Donc là on est à Saragosse et on est dans l'Aragon, donc on va aller visiter un peu tout l'Aragon, le désert, et on va aller au circuit d'Aragon, là où il y a eu le MotoGP il y a pas longtemps. Salut, j'habite ici. J'aime pas les gens. Incroyable, en plein désert, un circuit quoi. Je pensais même pas que c'était comme ça. Avec le MotoGP, tout devait être blindé là-bas là. Eh bah c'était sympa. Par contre là il fait chaud hein. 29 degrés. Quand t'as le cuir, j'aurais pas dû prendre le cuir. Ensuite l'airbag en dessous. Ouais, j'ai acheté un airbag, je vous en parlerai peut-être. Vraiment pas mal hein. Je vous en parlerai peut-être, mais bon, c'est pas sponsor alors c'est nul. Voilà, Motorland Aragon. On était sur un circuit de MotoGP quoi. Je t'imagine le monde qui vient là, tous les camions, tout quoi. Vénère. Allez, on bouge. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Ça glisse, regardez, attends, je vais le refaire. J'accélère de ouf. La moto elle glisse et le traction control, paf, il prend la main et il arrête d'accélérer, comme ça ça redevient nickel. C'est bien quand même, c'est pratique. Oh, ah oui, putain c'est vénère. Vas-y, je vais rouler sur le lac, info sûr, comme Bibix. Vous avez vu un peu l'état de cette merde quoi. Alors, en parlant de bulles, on va faire un topo bulles là. Vous savez, les bulles ça a toujours été un peu une histoire avec moi, enfin bref. Quand je suis en ville, vous avez vu, j'ai la nouvelle bulle là, la plus courte. Donc ça c'est top, j'aime bien parce qu'il y a le flux d'air de partout, il n'y a pas trop de turbulence, donc c'est bien, c'est uniforme. J'aime, puis c'est plus joli. Quand je suis en road trip, j'ai ça pour plusieurs raisons. Déjà, quand je suis sur l'autoroute, c'est le plus important. Il y a un peu de turbulence quand même, mais c'est quand même beaucoup moins fatigant que la petite bulle. Et surtout pour les moustiques aussi, c'est vachement pratique. Tu vois, tout ce que t'as là, bah tu l'as pas sur toi ou sur ta visière quoi. Essaye d'incruster un truc dans l'eau, genre moi ou Bibix, comme tu veux. J'essaye de bien m'appliquer sur mes trajectoires parce que la dernière fois il y a un mec qui a mis un commentaire d'enculé. Il dit que j'avais trajectoire de merde. C'est facile de triquiter hein. On te met une caméra toute 24h sur 24 dans ta gueule, tu verras. Et là genou. Genou, c'est parti, genou. Bon allez. Ça y est, on est rentré les gars. Journée sympa, mais j'ai hâte d'être demain quand même. Parce que demain c'est l'école et tout, c'est ça que je préfère moi. C'est ça que j'adore. De retour à Saragosse.
Merci pour tout. Bon bah Florian, merci à toi. T'es un super gars, bien cultivé et tout, il m'a tout expliqué, chaque truc, c'était impressionnant. Voilà, j'ai les Pyrénées pour moi tout seul, regardez, il n'y a personne, le tunnel est à sens unique. On va pouvoir attaquer ça. Et moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que forcément ça plaît pas à tout le monde ce genre de vidéo, mais aux gens à qui ça plaît, je pense que ça les transporte un peu quoi. Et moi ça me fait plaisir de partager tout ça quoi. Ma nouvelle région, région Occitanie. Et voilà. Hey, 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 hey. La gros V à tous les motards.